R540. Donc un fourgon court en 5 m40 avec donc une cabine avec un rangement au-dessus du poste de conduite, le salon et puis le petit rangement au-dessus, un lanterneau. Cuisine, alors il y a un réfrigérateur à l'entrée, il ne s'ouvre que d'un seul côté, hein. C'est la version low cost de Puzzle et donc il y a des économies qui sont faites. Donc ceci dit, il y a une belle, un beau plan de travail au-dessus du réfrigérateur. Deux fuego et un évier avec robinetterie. Tout petit rangement au-dessus de la cuisine. Et donc ici, j'ai pas vu, mais au niveau de la porte, il y a évidemment la moustiquaire. Donc, petite cabine. Hein. Donc ce modèle, c'est la version 5m40, mais il y a évidemment la version 6m, hein, qui est quasi identique sur l'implantation. Et donc un petit peu plus longue. Alors, sur ce 5m40, la chambre, mais un lit bien large, il y a des rangements tout autour. Il y a deux ouvertures sur les portes. Alors les rangements ici, bon, il y a deux charnières, hein, et il n'y a pas de soft close. C'est plutôt du hard close. Ça fait bang quand on ferme la porte. Et il y a une soute évidemment en dessous du lit. Donc la visite se termine par la salle de bain. Probablement pas une bonne surprise, mais bon, c'est normal, hein. Donc il y a un espace qui est très réduit, du rangement, il y a comme une ouverture fenêtre ici, micro lanterneau là, donc ça c'est pas mal pour l'aération, mais c'est tout petit, hein. Ici ils ont mis une seule bonde, oui, on gratte tout ce qu'on peut. Donc il y a une bonde centrale, bon, peut-être qu'elle fait le boulot, hein. Si je ferme la porte. Bon, ici, on a la place, il n'y a pas de souci pour s'asseoir. Par contre, pour prendre la douche, ça va pas être terrible. Si on veut prendre la douche, il y a toujours ce système de rideau, hein. Donc là, j'ai pas essayé, mais bon, c'est quand même assez limité. Et ici, il y a quand même un petit rangement qui ferme, et puis des rangements qui ferment pas, et un miroir. Oups.